Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et il est apparu de nulle part. Ça tombe bien. J'ai quelque chose à essayer. Oh. 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 Meurs. Meurs. You've been slain. Ça c'est quoi? C'est un rocket launcher aussi? Oh, Miss Killboom, c'est ça? Miss Killboomer, Bon, donc bienvenue dans cet épisode de Starbound V2 A Big Giraffe, qui ne manque pas d'action dès le début, chers amis. Je vous rappelle qu'on est sur une Mysterious Star, donc du mode Mysterious Stars, tout simplement. Nous avons obtenu la nanosuite, l'optimale nanosuite, l'omniprotection, pardon. On récupère ça, je ne pense pas qu'on va le faire, on a suffisamment d'objets. Enfin, de blank tech card pour le moment, en tout cas. Oh, mais c'est qui fait mal, dis donc. ...1400 de dégâts par shot. Ah oui, c'est pas mal, ça. Hop. Je suis brillant. Ok. Donc, ça, c'est pas bon signe. Hop, je l'ai eu. Il m'a lâché une arme. Charge Sprayer. On va voir ce que c'est. J'ai pas vu les dégâts qu'elle faisait. Oula, 68 par shot. Ah oui. Si ça c'est pas une SMG, chers amis. Ah, ça peut être intéressant de jouer avec, on va bien voir. C'est une main ou deux mains? Deux mains, c'est dommage. Ça nécessite forcément une plus grande précision. Hein. Qui n'a pas encore chassé à la SMG après? Waouh, je t'ai pas vu, je t'ai vu en tant que sympathique, toi, mais apparemment tu ne l'es pas tant que ça. Ok, tu es mort. La consommation est peut-être un petit peu trop importante. Il y a un coffre là. Qu'est-ce qu'il y avait? Oui, d'accord, et ça. Dans la préhistorique, chers amis. Il y en a un deuxième là. Dans la préhistorique, chers amis, il nous manque la queue d'animal. J'ai pu la voir donc sur le wiki tout simplement. Et il nous manque donc la queue d'animal, donc le backpack qui est une queue. Voilà. Donc ça c'est pas plus mal de pouvoir retourner sur ces. Oh. Non, j'ai cru voir quelque chose, chers amis, mais je me suis trompé. Hop. Pour la peine, je vide la piscine. La piscine de pétrole, c'est pas grave. Hop. On ressort la pétoire. Au passage, chers amis, je vois que j'ai parlé du serveur dans la fin du dernier épisode. Dites-moi si vous souhaitez que le serveur soit vanilla ou modé. Je pense pas qu'il y aura plusieurs. Il y aura pas plusieurs instances sur le serveur, chers amis. Je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Je me suis pas encore renseigné plus en avant. Hein. Bon, de toute façon, on en reparlera une autre fois. Mais oui, dites-moi par les mains si vous souhaitez que ce soit un vanilla. Je pense qu'un vanilla serait déjà plus simple parce que ça ne vous obligerait pas à télécharger des mod packs. Après, j'aurai un site, il y aura normalement une adresse qui va avec. Je ne sais pas si je pourrais mettre un mod pack serveur entre guillemets sur ce site là. Je ne sais rien du tout à ce sujet. Encore une fois, j'attends de vos conseils. J'attends vos conseils tout simplement. On verra bien où ça nous mène, chers amis. De toute façon, on n'est pas encore à l'achat de ce serveur, à la location de ce serveur. Hop. Donc voilà, j'étais sur une planète de type insane, de désert. On va aller sur une snow incalculable. Après tout, pourquoi pas. Alors j'espère qu'il n'y aura pas le bug de... Tu peux toujours charger, tu peux toujours courir, je ne chargerai pas la planète. Alors, c'est bon, il n'y a pas eu de problème. Alors, je n'ai pas lancé le timer, je vais considérer que je suis à peu près à 7-8 minutes d'épisode.
C'est parti, chers amis, on descend. On a quand même bien rempli nos poches. Il va falloir faire attention sur ce qu'on piquera sur cette planète. Quoique, attendez. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer. Les deux lance-roquettes aussi, parce qu'ils sont que verts. Ensuite, j'avais ça aussi. Je peux le virer aussi. Parfait, la suite. Ok, lui, il est violent. Ok, bon. Il a brûlé et il m'a donné une... un super marteau à deux mains qui ne tape jamais, mais qu'est-ce qui doit faire mal? Cependant, j'ai un truc à vérifier, chers amis, je dois avoir un truc par là. Hop, c'est bon. On met le PC en place et on y retourne. Vous êtes sérieux là? Vous m'offrez du titanium comme ça? Pourquoi pas? Ok, ça c'est bon. Dans ce coffre, il y a du solar. Oh bah d'accord. Pourquoi pas, chers amis, pourquoi pas? Et ça continue encore et encore. Oula, les méchants sont balèzes. Alors, la Snow Infanterie à mort pratiquement au complet. Toujours bon à prendre. Une grenouille, pardon. Deux grenouilles. Ma santé qui est assez basse, chers amis, incroyable. Je pense vraiment que je devrais prendre la régène de santé. Vous savez, dans les textes. Oh, tout ça contre ce fichu truc. Bon, je reprends le pistolet. Hop. Eh ben dis donc, on en a pas de chance. On va se la jouer à la Batman, c'est pas grave. C'est bon. Point, 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 point. Point, point. Je ne veux pas avoir... Ah! Je vais avoir des embrouilles. Pourquoi ils sont tous ralentis? Pourquoi ils sont tous hyper lents? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous hyper lents! Ils ont trop froid! Ah, ils ont le mal de la planète, je crois. Comme eux, ils peuvent pas avoir la nanotech suit, ils ont le mal de la planète qui les ralentit tout le temps. Parce qu'après tout, ce sont des personnages humains, pas des personnages mobs. Ah, c'est peut-être ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, les amis, il faut que nous nous barrions. Point, 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 point. Hop, on retombe pas sur les... Oula, une grenouille. Plus de grenouille. Un survival backpack. Donc, chers amis, je l'avais déjà. Je l'ai en ce moment même, d'ailleurs. J'espère qu'il vous intéressera. C'est moi ou on est vachement loin de... Attendez, je regardais quand même. Non, on est bien à 3. J'ai l'impression qu'on est vachement loin de mon personnage, ce qui est assez gênant, d'ailleurs. Hop, parfait. Continuons, continuons, continuons. Harry Cover. Ouais, Harry Cover, vous avez compris. Harry Cover. Ouais, bon, bref. Mais c'est tombé. Je suis désolé, les gens. J'ai pas tué de poisson depuis longtemps, mais je vais pas le faire. Après tout, ce n'est pas un poisson, c'est un gros poisson.
C'est sérieux? Bon, Blank Tech Card. Ça, c'est cool. Enfin, c'est cool qu'on la tombe comme ça. Il planquait un coffre, le salaud. Wouh! Elle est belle! Elle est blanche, mais elle est belle! Oh mince. Je suis poli. T'as vu ça, comment que je suis poli, les gens? Hop là. Oh! La seule flamme qu'il y avait. Grenouille, ça m'intéresse pas les grenouilles. Alors je vous rassure chers amis, il y a aussi donc d'autres biomes souterrains, hein. On les fera une autre fois, je vous rappelle qu'on a plein de biomes souterrains à revisiter. D'ailleurs je pense qu'on y passera un bon bout de temps au bout d'un moment. Tout simplement. Histoire de pouvoir, hop, gérer tout ça de manière correcte. Peut-être même qu'on refera à peu près toutes les planètes en mode... Enfin je reviendrai sur le wiki. Pour voir quel biome serait intéressant de faire. Quel biome on n'a pas fait, tout simplement. Et ensuite, nous verrons. Nous irons de planète en planète, simplement. D'accord, je voulais voir juste ce que j'avais. C'est intéressant. Allez. On se met quelque chose, parce que là, ça commence à être longué, chers amis. Pas celle-là la mieux, attendez, je vais la trouver. Point, 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 point. Waouh! Excusez-moi, j'ai tout coupé, je suis désolé. C'est ma faute. My bad, my bad. Oh, elle est lente, c'est dommage. Ah, ça casse tout. Je reconnais que ça cache tout. On met plutôt ça. Point, 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 point. Oh là là, cette chanson, cette musique qui a bercé mon enfance, chers amis. Pour la petite... Oh! Je vais pas le prendre. Parce que j'ai envie de casser la musique. Voilà, c'est dit. Ah, dommage, elle n'a pas été ralentie à ce moment-là. Ah, ça l'a coupé, je pensais que ça allait continuer en plein milieu du truc. Ah non! On remonte, chers amis. On remonte. Ah oui, donc j'ai dit que je vais aller voir rapidement, vous montrer ce qui s'était passé simplement dans la maison. Normalement, on est bon, on devrait pouvoir descendre. Vais-je avoir suffisamment de flotte? Eh ben non. Et voilà, c'est le seul défaut, chers amis, de cette maison, c'est que la chute est fatale s'il n'y a pas la quantité de flotte requise. Et le problème, c'est que je crois n'avoir rien installé. Donc, hop, au cas où, voilà, là j'active ça, et je rentre, je fais rentrer la flotte. Normalement, ça devrait bien marcher. On va voir la flotte arriver d'ici peu. Le temps qu'elle tombe.
Voilà. Donc aussi, vous pouvez le voir, il y a très très peu de changements, à part un miroir qui est arrivé et une mailbox. Mailbox, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Je pense même pas qu'elle soit vraiment intéressante. Ici, aucun changement. Ici, aucun changement encore. Hop, ici, vous pouvez voir que j'ai enlevé donc le trésor machin, là. J'ai mis quelques bornes d'arcade supplémentaires. J'ai modifié tout ça. Ce qui rend à peu près un peu le truc un peu moins. Je pose tout bout à bout. Je veux dire, ça fait un peu plus réaliste, entre guillemets, d'avoir quelques bornes d'arcade, un truc comme ça dans le magasin, etc., etc. Donc, à gauche et à droite, nous avons maintenant notre propre zone de bronzage, tout simplement. Un peu plus haut, nous avons notre propre zone, tout simplement, de glace, hein, pour ceux que ça, qui ça peut plaire, chers amis, après tout. Hein, ça peut plaire à quelqu'un, hein, peut-être, un jour, ou l'autre. Et ici, nous avons notre zone détente, avec nos sièges, chers amis, nos sièges, qui ne sont donc que placés dans deux Living Water, hein, tout simplement, et de quoi nous dessaper avant d'entrer. Tout simplement. Tout simplement. Voici les dernières nouveautés que j'ai apportées en fait à cet endroit. Si ce n'est quelques lumières en haut, vous avez pu le voir, un globe aussi placé en haut. Sachant qu'en fait j'avais fait une erreur de calcul. Je pensais que je n'avais qu'un bloc en fait en centre. En fait j'en avais deux, j'avais complètement oublié que j'en avais deux. D'ailleurs je vois une chose qui ne devrait pas être ici. Une erreur de ma part que je réglerai plus tard. Voilà les amis, donc je pense qu'on va se laisser là pour cette fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, vous présenter dans les commentaires pour participer à une session de tournage. Quant à moi, les amis, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à pouce vériser, à commenter. Alors attendez, j'ai déjà tout faire là. Mais si vous souhaitez continuer à tenter d'obtenir ce serveur Starbound, partagez les vidéos, hein, c'est un excellent moyen que vous avez pour me faire connaître. Et donc, plus je me suis connu, plus j'ai de vues, et plus j'ai de vues, plus je suis à même de vous donner votre. Oula. Hop, chers amis. Plus je suis à même de vous donner votre dû, votre labeur, chers amis. Voilà. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus pour d'autres épisodes. J'arrive plus à le dire, chers amis, j'arrivais à le dire avant. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour d'autres épisodes. Salut les gens!